vous autres connaissez Albertine, notre chef de la Hasse des Encrichés. Au faut un jour qu'assez bouge vos collades déco à boire. Aster a voulu visiter le Morbihan. Et pourquoi donc le Morbihan, et en particulier la région de Vannes? C'est elle qui nous a dit, allez pour voir pourquoi ces arbijouats celtes en vont pianter des chailles dans la terre tout droit. Elle en a profité pour voir le salon des vins de la gastronomie. Elle est plutôt pour chier qu'elle a été visiter le pays. Enfin bon, regardons les images qu'elle nous a envoyées. À vaincre. Visite chez les amis de Château Pereire, des gens de Pays Gabaye. Puis des testours bas sérieux dans dégustation. Là, arrivons chez notre ami en lutte des Côtes d'Agly, des vins de Roussillon, avec des grenaches, avec des mouris, des rives altes. Ah, elle a dû se régaler, la bonne Albertine. Et t'aurais le bavard. Alors, on retrouve également Château Pereire, on va en parler du thé. Un tour chez la famille Coudeau, de côté du Lyon. Puis la cave Fardo, avec le père, la mère et la drôlesse, qui autour vendant de crémants de Loire et de cabernet d'en haut. Les Alsaciens qui, en fin de salon, commençant à être fatigués. Allez, réveille-toi un petit mot drôle. On n'est pas fini. Le salon n'est pas abouté. On est de même chez les Charmentais, le Cognac et Pinot Chaillou, qui sont à Pia. Bienvenue chez le Père Noël. Eh oui, c'est Patrick Noël. Et les vins de Sancerre mènent tout salon. Un petit tour par le Pays Basque et les rambons de Jean-Pierre de la maison Gastelou, éleveur de gorée dans la montagne et charcutier de père en fille. Une petite pause de bretonne avec les crêpes et les galettes. Où il y a toujours des gourmands qui n'ont qu'à nous dans la lutte des Côtes d'Agly. Souris, t'es mort, alors lève-le. Le local avec la restauration et la charcuterie de Pont Romain de Vannes. Et Bossy et Alexis le fit par les huiles d'olive d'au pays de Grasse et autour les olives. Et toutes les préparations, les tapenades en choyade sardinade et toldrigaï pour faire l'apéro. Un petit tour chez nos amis de la fromagerie suisse,
le chalet alsacien qui fait les flammkuchs et les bretzels. Et notre ami Limero, éleveur de cagouilles, avec les cagouilles qui voulant s'échapper. Et voilà, à cette heure, les pierres piantées dans le sol. Les baguettes de Longbiwi sont pas loin, mais à cette heure, avec ma veuve, moi j'ai l'air d'un couillon. Allez, à bientôt les drôles.